Hey, salut YouTube, on enchaîne. Est-ce que c'est le dernier épisode? Je sais pas. Ce que je sais, c'est qu'on a. Attends, il y a encore un truc à faire dans la pièce? Ce que je sais, c'est qu'on a. On a de quoi fabriquer. On a de quoi fabriquer le. Le vaccin. Attendez, encore un truc à actionner dans la pièce? Qu'est-ce que c'est? Les gars. Désolé YouTube, je suis perturbé là. Vous avez une idée? Pourquoi? Poudre noire. Je suis aveugle? Je suis aveugle. Poudre noire. Bon, là, on va aller faire un max de munitions, parce qu'on approche de la fin du jeu. Donc, on va retourner... On va retourner à notre caisse. Et, rester mort, hein. On va aller préparer notre stuff. Peut-être qu'on va arriver au boss de fin. Bientôt. Forcément, mais quand? Alors là... Menepsis. On repasse dans cette fameuse pièce. J'ai trop peur qu'ils se réveillent, ces trucs-là. Là, il y a les titans, là. Des tyrans, eux, ça va aller. Mais eux, là... Ça a l'air d'aller... Ah, putain! Au charge! Un autre? Oh, j'ai super peur. C'est quoi? En fait, ces enfoirés, ils m'ont fait avancer jusque là, et donc je m'étais dit, c'est bon, ils vont pas sortir. J'étais prudent au début. Oh putain. Il m'a tué comme il a eu peur. Écoute, ça fera partie des futurs best-of en tout cas. Hein. Ce genre de moment. Et je parle pas du streamer. Alors. Oh. GG à tous pour les level up là. Et c'est pas fini. Ne me fais pas peur comme ça. Alors là, ici, j'ai peur. Non. Ah, attends, imagine s'il y a un truc du sac qui sort là. Oh. Imaginez, on voit un tyran. Imaginez, on voit un tyran, un Mister X. Ici, il va y en avoir un. Chaque fois que je reviens ici, j'ai peur qu'il y a un... Ok. On est dans la salle safe. Oh, j'ai refait un bond de 3 mètres, donc là, je suis actuellement dans le toit. Titi, désolé. En plus, parfois, je crie fort, et du coup, je vous aide pas, quoi. Je vous aide pas. Alors, en termes de munitions, qu'est-ce que nous avons? On a de quoi faire pas mal de munitions de petits pistolets, ou alors des munitions de fusil à pompe, ou alors des munitions de magnum. Sachant que j'ai 8 munitions de magnum déjà. Ça, c'est explosif. Merde, ah, tu sais quoi? Attends, en fait, il faut que je dépose, sinon je vais pas pouvoir crafter. 2 explosifs A, ça fait des grenades explosives. Non, je pourrais créer des incendiaires encore. Ah ben, on va créer les deux. Regardez, combiner. C'est le petit moment chiant où on va gérer l'inventaire, les amis. C'est explosif que j'ai fait, hein. Ouais. Ensuite, ah merde, j'ai plus de place. Oh là là, ouh, je dois gérer plein de choses. Attendez. Je crée des munitions de magnum ou pas? Je suis à fond. Yes, Obello, trop bien. Trop bien, trop bien. Petit conseil, les amis, dites-moi, ceux qui ont déjà joué au jeu, j'ai 2 poudres supérieures. Est-ce que je me fais des munitions de magnum, ou est-ce que je me fais des munitions de fusil à pompe? Parce que là, j'ai de quoi me faire un bon stock de munitions à pompe, de fusil à pompe. J'ai de quoi me faire un bon gros stock, hein. Dites-moi, et en attendant, je vais continuer à faire des explosifs. Parce que là, j'ai encore ça. Hop. Hop. Je vous lis dans 2 secondes. Combiné avec ça, ça fait incendiaire. On combine. Niveau soin, on va prendre de quoi. Ça se trouve, le boss, il est pas maintenant, hein. Ça se trouve, j'en sais rien. Mission pour mag, on va les reprendre, mais du coup, là, il me reste à crafter ça. Ah, j'ai des grenades explosives aussi, oui. Ok. Fais des magnums et des shotguns. Je fais un peu des deux? Ah, mais non, j'ai pas le choix, en fait. J'ai pas le choix. Magnum, fais les... Mais je peux pas faire les deux. Je peux pas faire les deux, en fait. Mais j'ai quand même 8 munitions de magnum, déjà.
C'est quoi? On va faire Magnum. Magnum, c'est trop fort. Ah, ça en a fait que 3! Mais bon, c'est fort. Mais ça en a fait que 3! Et du coup, là, je peux faire des munitions de pistolet. En plus, voilà. Hop, ok. Ah, c'est le moment inventaire, les amis. C'est le moment inventaire. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai des grenades explosives qu'on va prendre. Niveau, j'ai du soin. On va prendre ça. J'ai 2 soins. Après, une fois que j'ai mis ça... Ouais, ben, tu sais quoi? On va rester là-dessus. Je peux encore me faire 2 autres soins. Mais voilà. Fais du Magnum. J'ai pas vu aussi Genesis, t'as dit ça. Et Titi aussi. Ok, les gars. Ménepsis, par contre, je vais vous laisser. Je mate un film sur Netflix. Bonne soirée, tout le monde. Et continue à partager la bienveillance. Merci, Ménepsis, pour ta bienveillance à toi. J'espère que ton stream s'est bien passé. C'est marrant, parce que comme tu commences tes streams avant les miens, pendant que je prépare le mien, je passe d'abord sur le tien, tu vois. Allez, ciao, ciao, bon film à toi. Salut, hein, bro. Et Genesis, je sais pas si tu m'as reparlé des films ou pas tout à l'heure. Je pense pas, hein. Ou peut-être j'ai loupé des messages. C'est désolé, des fois, je loupe des messages. Vous savez, streamer, c'est tout un art. C'est parfois compliqué. Je mérite un ban avant de 5 minutes. Putain, mes petits cons, va. Ok, cool. Je peux encore prendre des objets de soins, mais je vais pas le faire. Je vais pas le faire. On va sauvegarder. Une nouvelle sauvegarde. C'est ma... Attendez, j'ai sauvegardé 63 fois. Regardez. 63e sauvegarde. Et je suis à combien d'heures de jeu? C'est indiqué où? C'est pas indiqué ici. Peut-être ici. Temps de jeu. Regardez. Temps de jeu, 9h56 minutes. Ok. Je fais pas un speedrun, hein, vous le savez. Je fais pas du tout un speedrun. Peut-être que je devrais mettre le magnum dans ma... Non, le magnum, on va le laisser là. Non, on va le recharger. Picon, va. Mais il parle de sub, hein. Mais bon, ils sont déjà sub. Oh, Menepsis! Menepsis, t'es encore là ou pas? Non, il s'est barré. Il a dit allez, ciao, il est encore là. Enfin, il est parti. Je te conseille de te les re-regarder. Tu comprendrais pas mal de choses par rapport au jeu, même s'ils ont changé des détails. Ok, Genesis, écoute. Ok, ça me tente. Je vais me refaire les films. Parce que j'avais bien aimé à l'époque, hein. Attendez, parce que je vais sauvegarder le fait que j'ai rechargé mes armes. J'avais bien aimé les films à l'époque, mais voilà. Après avoir connu les jeux, c'est vrai que j'avais un peu peur. Mais c'est bon, je vais retourner dedans. Ouais, c'était tout à l'heure, hein. Là, ici, mon Zobello, ici, l'inventaire, je le remplis, hein. Justement, je le remplis. Et c'est par là que je dois aller. Ok, Genesis. Ouais, c'est possible. J'avoue, je me rappelle plus trop. Ils sont cool, mais ils sont un peu étranges, hein. Je crois que le 2... Non, c'est le 3. Le 3, je l'ai pas aimé. Parce que, à un moment, ils sont dans le désert, hein, dans le 3. Il y a des zombies bizarres qui sortent de containers. Et ils sont hyper mal faits, je trouve. J'avais pas aimé ces zombies bizarres. Ça m'avait gâché le film. J'ai peur qu'il m'ait fait spawner quelque chose, hein. Bon. Vous êtes prêts? On va synthétiser un vaccin. Unauthorized materials detected. Either I've got this wrong or I'm missing a step. Unauthorized materials detected. Attends, est-ce que j'ai mis deux fois la même ou pas? Attendez, je vais tester l'autre. Ok, me dites pas, hein. Me dites pas, me dites pas. Combine-les. Ok, tu me l'as dit. C'est pas grave. Base de vaccin. Ok. Let's go. Ah, j'aurais pu galérer 20 minutes là-dessus, hein. Attention, le scientifique Batacha en action. J'imagine que les trois doivent être dans la zone 50. Voilà, mais c'est compliqué là.
Le premier, il veut pas, hein. Mais j'ai essayé toutes les combinaisons, non? 1, 3, 2. Ah, je peux chipoter comme ça, d'accord. Ah oui, d'accord, ok. Oh, nice. T'inquiète, hein. Let's go, les gars. On a un vaccin. Et là, il faudra en faire plein, hein. Est-ce que ça en crée plein, là? Ah oui, c'est ça qu'on fait, en fait. Non? À partir de ce truc, on devra en créer plein. Le vaccin, oh là là. Attention, Nicolas, il va être derrière toi, c'est sûr. Oh, pire que ça. Kitsune, le couteau, il est pas très utile, hein, effectivement. Oh, mais regarde où elle a accroché le vaccin. Elle a accroché à sa taille. Sortir de l'installation. Ah, Kitsune, t'as vu? Au bon moment. Oh, il va se transformer avec ça. En fait, plus on blesse, plus il se transforme en des trucs bizarres. Meuf. Je peux rien faire à part rester comme ça. Hein. Rose bizarre comme vaccin. Ouais, c'est un peu chelou. Hein. Oula. Bon, sachez-le, il est pas mort, évidemment. Hein. Accroche-toi au grillage. Oh, oh putain. Oh non, regardez, j'ai pas de place pour 3. Oh, ils m'ont rincé de nouveau. Mais on a le vaccin. Un vaccin qui peut prévenir et guérir l'infection du virus T. De quoi sauver de nombreuses personnes, peut-être même toute la population de Raccoon City. Est-ce que je peux le mettre ou pas? Ah, je peux pas, je dois le garder dans mon inventaire, ben oui. Ben, je suis full munitions, hein, donc je suis... Ah mais attendez, parce qu'en fait, on va les prendre, mais je vais les mettre dans la boîte. J'en dépose 3. Comme ça, je ramasse les 3 là. Ok. Là, on est pas mal niveau explosif. Hein. Est-ce qu'il y a encore des trucs ici? Attendez. Oh. Super. Oh. Coup de supérieur, du soin. Non, mais les gars, ils me prennent pour un noob ou quoi, là? Moi, je perds pas de vie, moi. Je dois jamais me soigner, là. J'ai jamais eu un inventaire aussi plein dans un Resident Evil. Et pourtant, j'en ai fait. Un. Deux. Trois. Ouais, j'en ai fait 3 quand même. Attention, ventilo. Méchante. Avec la poudre noire, est-ce que j'ai encore de l'eau de poudre ou pas? Non, je peux rien faire de plus. On dépose ça. On reprend quand même un soin. On se met full, non? On se met full, là, on est d'accord. Et ici, la salle est encore rouge. Ah oui, mais c'est... Ah non. Explosif. Ah. Myrte, il est où? Ah, il est par terre. Oui, il était dans la caisse. Oh là là. Oh là là. Est-ce que j'ai encore des explosifs ici? Non. Hein. Vous trouvez pas que c'est abusé, là, mon stuff? Vous trouvez pas que c'est abusé un petit peu? On va mettre le soin ici. Le vaccin, on le met à côté de l'arme. Les explosifs ensemble. Et voilà. Je peux rien récupérer de plus. Les sprays, ils peuvent pas se stack. Eh ben écoutez, on est stuff. On sauvegarde. Et on va voir ce qui se passe.
Ouais, Kitsune, mais c'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Ça, c'est... Resident Evil. Resident Evil est un jeu vidéo très, très jeu vidéo. C'est une saga, vraiment. C'est des mécaniques de jeux vidéo purs. En même temps, c'est des remakes de jeux vidéo de l'époque. Donc, c'est des puzzles et des mécaniques vraiment classiques. Et voilà, dans un jeu vidéo qui sortirait maintenant, qui serait pas un remake, ils n'oseraient pas faire ça, des coupures aussi brusques. Et pourtant, c'est ce qui fait tout son charme à ce jeu. C'est le côté pur jeu vidéo. T'as dit que le boss final était dur, non? Ouais. Bah oui. Donc c'est vrai que heureusement que j'ai tout ça, hein. Mais j'ai peur quand même que ce soit trop facile à cause de ça. Le tout, ça va être de pas mourir. Bon. Eh, je vous avais dit ou pas, regardez. La salle du boss, je vous avais dit que ce serait ça. Bon, on est à la fin du jeu, les amis. Ça y est. YouTube, c'est probablement la dernière VOD. Probablement. In God's name is this place? Ah, il y a des traces de virus, il y a des trucs pas cool là. En dessous. What the fuck? Ok. Ils vont me donner encore plein d'objets? Oh putain. Ah bah je suis obligé d'en laisser là. Hein. Ça sert à... Est-ce que je la joue de ouf et que je vais en remettre dans mon inventaire ou pas? Si je le fais, c'est quand même juste à côté. Hein. C'est quand même juste à côté. Hein. Merde, non, je voulais pas en déposer 4, je voulais en déposer 2. Merde. Putain, quel enfer! J'avais. Si, franchement, j'aurais jamais cru crouler sous les munitions dans Resident Evil. Ah, petite sauvegarde, franchement, je vais pas refaire cette manip. Désolé, hein, mais ça, voilà. Moi, je vous ai dit, je fais les choses bien maintenant. J'ai fait caca dans ma culotte. Ah! Mais les gars! Y a pas encore de... Hein? Il est pas encore là, là. Putain, mais imagine, genre, je dois le combattre d'ici et il est géant. Non, jamais, mais... Il y a une sauvegarde automatique, je viens de voir, hein. Y a rien. C'est bien, bon garçon. T'as vu, ça? J'apprends des meilleurs, Nat. Putain, j'ai... Think the wisdom I've been trying to impart on you is getting through. Now I know you can't put a price on life. But I'm in this business to get paid. So let's make a deal. We go down there, battle the Nemesis, and I'll recall it all and sell the combat dog. Put on a good show and maybe I don't need a vaccine. Agreed? Good. T'as tout lu, j'étais AFK, comment ça j'ai tout lu? Wow. Mais j'ai pas pu esquiver cette merde. C'était des grenades d'acide. Oh putain. Pas toi pour ta vie. J'ai oublié de lire des trucs, ça me fait chier ça. Par contre, apparemment, j'imagine. Hein. Nemesis est très vulnérable au feu. Utiliser des grenades incendiaires. Ça tombe bien, c'est ça qu'on a le plus. Titi, arrête, c'est dégoûtant.
Bon bah écoutez, le boss est sympa. Le boss est sympa. Ouais. Ce qu'on va déjà faire, c'est on va recharger ça en grenade incendiaire direct. Comme ça, il prend feu et... Parce que là, je lui tirais, il perdait de la vie, mais il réagissait pas, quoi. Ok. Super. Allez, c'est parti. Alors, évidemment, il y a des munitions partout aussi. Hein, on a vu, il y a vraiment des munitions partout dans les coins. Je vais pas me focaliser là-dessus parce que je suis full. Donc, ah, par contre, vu qu'il nous prend le virus, enfin le vaccin, on a un emplacement d'inventaire en plus. On a le Magnum aussi, n'oublions pas. N'oublions pas qu'on a le Magnum. Eh, mais attendez, ça se trouve, on va jouer Carlos après aussi. J'ai oublié Carlos. Allez, ça, on laisse, hein. Je passe que quand il va parler. Oh, Nemesis, c'est trop bien. Bon, les gars, let's go. Je l'ai raté. Jill, is that you? Carlos? You're okay. J'ai gaspillé des munitions. Good idea. Eh ben viens, mec, enfin. Oh, t'es sérieux? Ah non, je l'ai eu. Watch it, you've got company. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Putain, ils m'ont fait spawn des zombies. Il est où? Oh putain! Non! Ah, c'est de l'acide, c'est vrai! Là, on passe aux grenades explosives, les gars, ça va lui faire mal. Des objets, il y avait du loot dans les coins. Ma manette, c'est ma manette qui déconne. Oh putain, le tas de cadavres! Il s'est planqué derrière le 1. J'aurais pu le faire exploser. Je vais garder les explosifs. On va l'attaquer aux pompes maintenant. Non. On va attaquer je sais pas quoi. Le Magnum! Oh non. Oh, je suis pas mort! Il va falloir que je fasse exploser un de ces trucs quand il sera caché derrière un. Il faut que je fasse pas gaffe aux zombies. Attends. Oh, ah, merci Nemesis. Je me soigne ou pas? Là, il peut one-shot avec une petite attaque, on se soigne.
entendu un bruit, j'ai entendu un autre monstre. Non, j'ai rêvé, c'était lui. Est-ce qu'il y a encore des objets? Attends, la carte. Il y a juste des munitions. Fusil à pompe 16. Elles sont toutes à ma droite. Elles sont là quelque part. J'ai déconné. Tout ça pour des munitions. Je vais crever, je suis mort. J'ai déconné, je voulais les objets. Bon là, je suis vraiment mort par contre. C'est un combat comme un autre celui-là, ça va ou quoi? C'est un combat de ses morts, c'est un combat de ouf là. Oh putain. Oh. Ça va, c'est cool. Ça donne envie de tryhard. C'est cool. Essayez de tirer sur les interrupteurs des réservoirs. Vous pourrez électrocuter Nemesis s'il est suffisamment prêt. D'accord. Ouais, mais quand il est... Même quand il est dans le centre? Non. Tirer sur les interrupteurs, donc tirer sur les trucs rouges. Je voulais tester, mais bon. Ouais, mais quand il est suffisamment prêt, ouais, il doit vraiment être tout prêt, quoi. Ben, le magnum, à mon avis, lui fait énormément de dégâts, mais ne le fait pas réagir. Tu vois ce que je veux dire? Il fait pas... Mais ça doit lui faire full dégâts. Hein. Mais le plus fort, c'est la grenade incendiaire, ça le calme un peu. Oh putain, j'étais tout concentré là, je sens que j'étais tendu. Titi, ciao ciao. Ah non, ah tu pars pas? Tu restes ou pas? Je dois aller dormir, moi, dépêche-toi un peu. Je suis désolé. Ça va être chaud mais faisable. Ben c'est ça. C'est ça, c'est ça. Je laisse juste la cinématique quand il casse l'échelle et puis je passe. Parce que j'aime bien le voir... J'essaie de me mettre bien. Oh, je suis pas mort. Je dois recharger. Jill, is that you? Carlos? You're okay. Let me spot for you. Good idea. Mais il me repositionne, j'étais à côté de munitions. Pardon. J'ai pas réussi à esquiver. Les objets, je ne sais pas où ils sont. Hein. Mais attends, ah, il y en a plus, j'ai tout eu. J'ai tout eu, je peux me focus. Je peux me focus, j'ai encore deux soins. J'ai le magnum après. Les zombies, c'est pas un problème, on espère qu'ils vont pas me mettre autre chose. Il me colle trop là.
toi. Ah mais non, mais j'esquive comment cette merde? Arrête. Là ils vont me taper d'autres monstres, non? Oh, please non, encore un zombie, ça va. Que quoi? Ok, c'est de la merde ça, je comprends pas. Hein. Non, ça m'a tué? Non, mais je vais... Ah, c'est trop dommage parce que là, là je l'éclatais. Hein. C'est dommage. Hein. Là, c'est vraiment dommage. Oh. Mumu, c'est la gênance. Qu'est-ce que tu fais là? C'est gênant ce que tu fais là. Faut tirer sur les deux boutons rouges quand il est sur le réservoir. Ah ouais? Sur les deux? Ah merde, désolé, j'avais pas lu. C'est chaud de ouf, on est d'accord. Hein. N'oublions pas que je suis en hardcore. Hein. Subali! Comment ça va, Subali? Ah, désolé, Titi. Désolé, Titi, je suis mort une fois de plus. Après, c'est le boss final d'un jeu incroyable. Hein. Il faut bien que ce soit galère, non? Un peu tard, ouais, c'était la gênance. Du coup, j'ai une question, Guerrio. Ça, les boutons. C'est que quand il est dessus. S'il est devant, ça sert à rien. Hein? La der des der, ben, j'espère. En fait, le problème, c'est quand on meurt comme ça, souvent, il faut vraiment tout faire pour pas tomber dans une spirale. Là, pour l'instant, ça va. Me revaudra ça. Je te revaudrai quoi? Le fait que tu restes? Ça roule. Oui, et devant aussi. D'accord, devant aussi. Donc, je prendrai mon petit pistolet et j'essaierai d'aller vite quand il est devant. Et let's go. Bah écoute, Subali, ça va très bien. On est au boss final du jeu. Tout simplement. On est à la fin. On est à la fin. Est-ce que je laisserai pas la cinématique au complet cette fois pour se replonger dedans? En espérant que ce soit la dernière fois? Hmm. Allez, on fait ça, je la laisse. Ça, en plus, Subali, tu viens d'arriver. C'est ça, Titi, ouais, dans tes rêves. Oh, what do we have here? Nikolai, don't! The city needs that vaccine! More than I do. I don't think the wisdom I've been trying to impart on you is getting through. Now I know you can't put a price on life. But I'm in this business to get paid. So let's make a deal. You go down there, battle the Nemesis, and I'll recall it all and sell the combat data. Put on a good show and maybe I don't need the vaccine. Agreed? Good! Kitsune. Oh putain, il allait m'agresser direct? Oh non, mais non, ça j'arrive pas à l'esquiver. Hein. Là, direct, boum, de la vie. J'ai paniqué, je me suis trompé de touche. Bro. Ok.
Jill, is that you? Carlos? You're okay. Let me spot for you. Il va gérer, ouais. Il reste là, mais il va me guider, quoi. C'est ça qu'il veut dire. J'ai esquivé. Oh, mais j'ai appuyé sur la touche. Ah, c'est mon dernier soin. T'as vu, il y a son cœur qui sort. J'ai pas qu'il ait fait tout le tour. Hold up, ouais, mais là je vais crever là. Ah les gars, je vais mourir. Hein. Oh là là. Là je vais pas réussir. Hein. Un zombie derrière moi. Je suis mort. Oh! Putain, j'étais pas équipé de la bonne arme. Bon là, c'est la dèche. Là, j'ai plus que 12 balles. Hein. Est-ce que je dois attendre qu'il fasse le tour encore? Oh putain, j'ai esquivé ça. J'essaie de lire le chat, pire idée. J'ai vraiment plus que des balles de pistolet classiques. Hein. Garde les balles pour le générateur, mais j'en ai plein. J'en ai plein, ça va, mais peut-être qu'il faut que je le blesse un peu quand même pour qu'il refasse le tour. Vous savez que depuis, ça fait 2 minutes que là, je peux plus me prendre rien du tout. Hein. Oh là, je suis mort.
Ok. Alors là, il faut pas que je me loupe. Oh, il y a encore des zombies. Faut juste pas que les zombies me touchent. Il y en a un là, un là, un là. Ok. Il va aller où? Il est pas été sur le putain de générateur, l'enfoiré de merde. Go, les gars, j'ai tout donné. Hein. Wow. Wow. Et c'est pas fini, hein. Bon, avec Jill, on a fini. Avec Jill, on a. T'imagines comment j'étais full. Oh là là, on le remplit d'acide. Mais non, il va juste se transformer en je sais pas quoi. Oh, ils font. Oh là là. Ok, I'll meet you up ahead. Merci pour vos GG, les gars. Lol, c'était pas le boss final encore. Nikolai. Mais me dis pas, mais Guerrio. Faut pas dire ça dans le chat, qu'est-ce que tu t'es fou ou quoi? Enfin, je me doute, hein. Hey, on est dans Resident Evil, en vrai, je le sais, c'est bon. En vrai, je le sais, t'inquiète, vraiment, en vrai, je le sais. Ok, zone safe. Bon, j'ai plus rien, hein, par contre. Qu'est-ce que j'ai? Là, je peux tout prendre, là. Grenade, spray, de quoi me faire un deuxième soin. Encore un autre soin si je veux. Voilà. De la poudre, non, ça me sert à rien. On combine ça et ça. On combine ça et ça. On en prend un. Voilà, j'ai deux soins. Niveau mune, c'est la mort. C'est vraiment la mort, niveau mune. Oh, oh. Ok, j'ai tout donné quand même, franchement. Franchement, c'était galère, hein. C'était quand même... Il y a un délire, hein. Il y a un délire quand même. Alors, qu'est-ce qu'il me donne comme objet ici? Un spray de soin, ok. Et ça, c'est quoi? Spécification d'une arme. Ça me rappelle quelque chose, ça. Nom du projet. Ferromagnétique. Infantry Use Next Generation Ray Gun. Canon ferromagnétique d'infanterie de nouvelle génération. Nom de code, Finger. Chef de projet, Cornel Garner, chercheur en chef du Nest 2, en collaboration avec Armée des États-Unis. Calibre 60 mm, vitesse initiale 6000 m/s. Objectif du projet, suppression de nouvelles armes biologiques en cas de crise. Note additionnelle, l'extrême puissance de feu a pour deuxième avantage d'éliminer complètement la cible sans laisser aucune trace. Commentaire des utilisateurs. Cette arme est dingue. Un tyran dépasse les bornes? Un coup de finger et le problème est résolu. Possède la puissance de feu dont nous avons besoin. Ce sera encore mieux s'il avait un moyen de contrôler sa puissance. La mobilité peut s'avérer problématique sur le terrain. Peut-être que sa plateforme pourrait être améliorée? Il nécessite encore plusieurs sources d'alimentation. Ce qui peut être difficile à obtenir en pratique. Est-il possible de réduire cela à une seule source d'alimentation? Je vais avoir un railgun? Un gun rail? Est-ce qu'il est là, dans un coin, que je ne le vois pas? Non, hein. Attendez, la pièce est encore rouge, les gars. Donc, il y a un objet encore quelque part que j'ai pas vu. Là. Poudre noire. Zobello, bonne nuit, hein. Désolé, ça dure longtemps. Hein. Bon, après, il va être minuit, ça va. Ça va, ça va. Mais bonne nuit à toi, Zobello. J'espère que t'as kiffé, hein. Jusqu'ici, hein. Oublie quand même pas d'enregistrer. T'inquiète, je vais sauvegarder. Aucun souci. Aucun souci. Gold Drop, j'espère qu'on va l'avoir. Hein. Salut, hein, Zobello. On va se faire des munitions de fusil à pompe. Et j'ai encore un explosif qui traîne, qui sert à rien. J'hésite à le prendre avec moi, mais on va pas le prendre. Ok. On va sauvegarder. On va peut-être avoir le fameux Ray Gun. Je rappelle que dans le... Dans Resident Evil 2...
à la fin, quand on joue Claire, on a droit à un putain de minigun pour combattre le boss final. Un minigun de malade. Et avec Léon, on a droit à un lance-missile. Ici, on a droit à un Raigun. J'ai bien sauvegardé, on est d'accord. Yep. Guerrio, est-ce qu'il est vexé qu'on lui a dit de pas spoiler, là? Il dit plus rien depuis tout à l'heure, Guerrio, là. Hein? Allez, les gars, let's go. C'est pas fini. C'est ça, le Raigun? Je rigole. Non, mais vraiment, est-ce que c'est ça? Ouais, il reste Nicolas, et bien sûr, mais... It's done. Give me the vaccine, you greedy son of a bitch. No, 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 no. You, print mom. I like her. Sa voix est trop basse. We shall make ours an ongoing arrangement. Now drop the gun. C'est la grue ou c'est Némésis? On va avoir une grosse boule de... Ah ouais, ouais. Oh, oh putain, c'est pire que ce que je pensais. Salut Némésis. Have you ever seen anything so incredible? The data on this would be worth millions. But you know how it is. City's about to explode, and you can't put a price on life. Good luck, Nikolai. Jill. What? Go after Nikolai. He's got the vaccine. What about you? We're running out of time. I've got this. I know you do. Look, just so you know, this is the last fucking time. Alors mec. Ah, il faudra pousser la batterie à gauche, on l'a vu. Oh, c'est long. C'est incroyable. C'est juste incroyable. Je m'en suis douté qu'il allait one shot en fait, parce que ils ont mis la caméra en mode regarde. On te laisse le temps de le pousser. Mais regarde-le quand même, on sait jamais, tu vois. Enfin, bref, attends. Soutiré sur les gigantesques pustules de Mésis, la douleur le sera-t-elle qui sera temporairement dans la capacité de répliquer, provisoirement pour activer les différentes sources de... D'accord, ok, ok, j'ai été trop greedy. Oh non! Oh, on va pouvoir retirer avec le Raigun, par contre. Ok, let's go, c'est pas grave. Ça me dérange pas, on va recommencer. Cette fois, je vais attendre 2 secondes pour bien l'observer, et puis je vais tirer avec le Raigun. Oh, quelle arme! Allez, on passe. Let's go. Alors mon vieux, t'es prêt à gueuler? Power sources.
It needs power. Là, on attend un peu. Il y en a trois. Ça, je peux pas esquiver ça. Ma manette a déconné de ouf. Ma manette, j'en peux plus. Je vais mourir. Désolé, ma manette. Oh, c'est ma manette, hein. Sérieux. Oh non. Time perfect. Ah, il a mis un fight au bon moment. Bon, désolé, là, mais vraiment, ma manette va bientôt être remplacée, normalement. Mais là désolé, j'ai pas... Et tu dis son... Oui, le dos droit. Désolé, Subaru, je suis à toi. Ah, elle est tellement badass, elle est badass de ouf, cette meuf, hein. Cette meuf est badass. Le pire, c'est que quand on va le battre, lui, on va jouer Carlos. Je sais pas ce qui va se passer derrière. Ah bon? Genesis. Écoute, normalement, c'est ce qui semble être le cas. Oh putain. Je devrais pas aller là, il va me taper direct. Oh, une grenade. Ok, je sais qu'il y a une grenade là. Oh. Let's go, c'est pas grave, c'est tellement stylé que c'est pas grave. Ok, les gars. On dirait une reine alien, ça. Envoyez-moi de la force, les amis. Ma manette a grave des problèmes. Non, c'est une blague. Pas de maintenant de nouveau. Ma manette. Mais il me chope instant. Ok, je suis vraiment nul. Alors c'est que je fais vraiment les choses comme de la merde. Oh les gars. Ok, conseillez-moi. Dites-moi. Ils m'ont dit que quand je tirais sur les pustules, il faisait... Alors là, je tire sur la pustule, il fait un truc, genre il bug. Je me dis c'est le moment. Et non, pas du tout en fait. Pas du tout. Vraiment pas en fait. Explose les trois. Ouais, on va faire ça. Essaie la prochaine fois de vite faire rester appuyé, puis après tu tires, peut-être que c'est plus puissant. Ah, le ray gun? Non, je crois pas. Les pustules, ouais, ben on va essayer. En fait, j'en détruis une, c'est pour ça que je dois en faire plusieurs. Mais le ray gun, par contre, il faut pas rester appuyé. Je dois bousiller toutes les pustules. Oh, ok, c'est plus logique. It's done. Give me the vaccine, you... Son of the bitch. Ok. Peau encore. On se rappelle qu'il y a du soin. Il y a du soin aussi. Il y a du soin et de la grenade. Ouais, j'ai pas attendu, j'avoue. J'ai voulu essayer de charger, mais... Tellement le meilleur jeu, les gars. Je t'ai fait des clips. C'est vrai, Kitsune est trop bien, j'ai hâte de voir. Allez, donc là, on va détruire les pustules. On focus les pustules et on esquive ses coups, mais c'est très dur à esquiver. Hein. Il est un peu grand, quoi, quand même.
plus facile. Oh putain, ah désolé, désolé, c'est quand même dur, hein. C'est quand même dur, les gars, hein, d'accord. J'ai trois grenades. Je vais pas y arriver. En fait. Je vais pas y arriver. Je vais juste pas y arriver. Oh, la lenteur. Ok. Ok. Ouais, je peux pas, hein. On est d'accord. Bah, trois fois, hein. Merde, je suis con. Ok, ça va, c'est easy, c'est easy. C'est juste que je suis nul, hein. C'est pour ça, les gars. Vous inquiétez pas, ça va aller. C'est easy. En fait, maintenant, je comprends. C'est bon, j'ai dû m'adapter au boss. C'est parti, maintenant. En fait, les pustules, il faut... Voilà, il fallait plus de balles, en fait. Il faut insister pour que ça pète, comme la lacné, hein, vous savez, si on n'insiste pas... J'ai pas réussi à esquiver, mais ça, je sais pas comment faire. Ah, y en a plus qu'une. Cours, cours, cours. Ta vie, elle est en danger, la meuf. À plus vite. Ah ouais, les gars, c'est vrai ce mensonge. Est-ce que... Attends, je tire ou pas? Ouais, allez, je tire. Mec, j'espère que c'est un adieu cette fois. Coupe-lui la tête, hein. Je sais pas, mais c'est pas fini, là. Ce go! Wow! Good riddance. Wow! Wow! Oh my god. Oh my god. Qu'est-ce que c'était violent et stylé. Ah, il n'y a plus d'objets, j'ai tout pris. Oh là 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 là. Quel bordel. Regardez par où on va passer. On va passer par là, c'est sûr, non? Ah, j'ai vu qu'il y avait une échelle là-bas. Elle est là-bas, l'échelle. Est-ce que je peux marcher dans sa merde, là? Non, on va par là. Oh là 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 là. Regardez jusqu'où, là. Cette fois, il n'existe plus, hein. Ah, c'est quand même dégueu. Merci pour vos GG, les gars. Merci, merci, les gars, pour votre force, pour vos GG. Ah, j'ai dû dompter un peu. J'ai dû apprendre à comprendre comment je devais le détruire. Et c'est bon, hein. J'ai réussi à le faire, hein. Ouh là là. Et là, tu tombes sur un tyran, là, tu vois. Quelque chose.
Ouais, mais Carlos, c'est un boss, Carlos. Hein. J'ai été time transport. Comment ça? Comment ça, Kitsune? Carlos? You're not going to stop. Promised you this, didn't I? No! Do you have any idea what you've just done? No, no. Don't care. My client ordered me to reduce Umbrella to rubble. 10 minutes until missile impact. Ah. The missile has launched. And that is my cue. Goodbye, Miss Valentine. Shame you didn't listen to me when you had the chance. Carlos? Yeah. Où, Jill? Jill! Shoot him! I can't! I'll hit you! Do it! You have to! There's no other way! J'ai pas tiré là. J'ai visé la tête. Hey. Imagine, j'ai buté Carlos. Oh, c'est bon. Ok. Attends, il va boire le... Est-ce qu'il va essayer de lécher le truc au sol? C'est un vaccin, de toute façon. Non, bah non. Je sais pas pourquoi je m'imagine des trucs de ouf. Hein. Il a été payé pour détruire Umbrella. There's a price tag for everything. Even letting the world burn. Who are you working for? I'll tell you, if you get me out of here. I'll pay you whatever you want. You're a fool. You're a fool! If I die, you'll never find out the truth. I don't mind a little detective work. D'accord, Léos. Le missile. Raccoon City. Oh. Il n'y a plus d'hélico. Hein. Gentil Kitsune. Je reviens vers vous après. Je suis à fond dedans. It's finally over. So long, Marcy. Attends, elle a pas dit ça. J'ai pas bien compris, mais. I felt empty and cold as the heat from the blast washed over us. All this death wasn't caused by a monster-making virus. C'est l'homme. It was greed. Human greed. Ah, c'est quoi ça, un morceau? I decided then and there, the ashes of Raccoon City would be Umbrella's ashes too. I would end them, once and for all. Je veux la suite, putain. Salut pizza! Oh putain! Ok.
qui va animer la vie de Titi. What the fuck, Itsune? Ok, le time transport, ok. What the fuck? Merci pour ton GG. C'était une aventure de fou. Une aventure de plus sur cette chaîne Twitch, les gars. Oh, quel plaisir. Du début à la fin. La réalisation, comme tu dis, Leios, elle est dingue. Mais le 2 aussi était dingue. Ça, pour moi, c'est des chefs-d'œuvre. Pour moi, ça, c'est des chefs-d'œuvre. Et franchement, beaucoup plus que celui-là. Je le dis, beaucoup plus que celui-là. Merci les gars. J'espère que ça vous a plu, hein, toute cette aventure. J'espère vraiment que ça vous a plu. C'était dingue. J'espère que j'aurai réussi à vous faire partager mon kiff de ce jeu. Oh. J'adore cet univers. Je l'ai découvert avec Resident Evil 2, le remake. Moi, j'ai pas joué quand j'étais gosse. J'étais trop petit, je comprenais rien. J'ai découvert avec le 2 et... j'attendais qu'une chose, c'était de jouer au 3. Et voilà, je ne l'ai pas acheté à sa sortie parce qu'il coûtait très cher. J'ai attendu. Genesis, merci parce que sans toi, ça aurait mis plus de temps. Sans toi, hein. Merci beaucoup Genesis. Merci à vous tous d'avoir kiffé cette aventure avec moi. Et voilà, moi je vais continuer d'explorer l'univers de Resident Evil. On a fini le remake du 3, super. Je vais faire le remake du tout premier, très bientôt. Je ne sais pas quand. Je l'ai déjà, il est dans ma console. C'est un vieux remake, c'est-à-dire que c'est un vieux jeu. Mais on va le faire. Je veux savoir toute l'histoire. Je veux savoir comment ça a commencé. Donc on va faire le premier. Et si ça me plaît, on verra pour en faire d'autres. Cette musique en plus. Yeah, ouais, je suis trop content que tu sois venu ce soir, Kitsune. Je suis trop content. Qui va remplacer ce jeu? Eh ben... T'as fait les deux premiers. Ah ouais? Ok, trop bien. Trop bien, trop bien. Ah, je laisse le générique, hein. YouTube, je laisse, hein. Je laisse, hein. C'est normal qu'ils soient meilleurs. Les trois premiers étaient l'âme de Resident et seront toujours, pour, je pense, 90% les fans les meilleurs. Des fans les meilleurs. Ouais, ouais, je pense aussi, hein. Je pense aussi. Bah ouais, Titi, comme Mister X, hein. Oh, cette musique... Incroyable, les gars. Guerrio, qui va remplacer ce jeu? Ben, aucun, hein, ça se remplace pas. Hein. On va continuer le gaming, on a pas mal de jeux à faire. On a les DLC de Zelda à faire. On a Nier Automata à reprendre. On va se focus sur ces deux-là. Et voilà, le 4, il est bien. Ouais, le 4, j'ai entendu que beaucoup de gens l'avaient bien aimé. Mais je vais voir. Je vais commencer par le 1, par les commencements. Si le 1 me plaît, peut-être que je me pencherai sur le, sur le 0, le préquel du 1. Et on verra, on va se laisser emporter et tranquille. Je suis content, Kitsune. Allez dormir, ceux qui ont attendu jusqu'à la fin. Allez dormir, les amis. Allez dormir. Le 4, c'est beaucoup de shoot. L'ambiance des trois premiers. Ouais, ouais, mais c'est ça qui me semblait bien. Hein. C'est, ça part un peu en action. Ah, c'est quoi le prochain pour stream? Hein? Le prochain stream, tu veux dire? Oh, cette musique, attends. C'est... Attends, mais c'est ouf, quand même. What the fuck? Ciao, ciao, Kitsune, merci beaucoup. Bonne nuit à toi, merci d'être venu passer du temps avec nous. Ah, cette musique, attends, je m'en remets pas. le prochain stream, je sais pas c'est quand. Guerrio. Ah, mais cette musique, ça continue de monter. C'est trop bien. Code Veronica, j'en ai entendu parler aussi celui-là. Pour les 5 ans de la chaîne, je pourrais refaire les deux remakes. Oh ouais. C'est sûr que je les referai ces jeux-là. Ces deux-là, là, je vais les refaire, mais c'est sûr, ils sont trop bien. Ouais, je ne te le souhaite pas, hein, Titi. Bonne nuit à toi, merci d'avoir suivi jusqu'au bout, mec. Merci. Merci beaucoup. Dors bien, reposez-vous. J'ai pas envie de couper le générique, en fait.
J'ai envie d'aller jusqu'au bout. Il y aura rien, hein. C'est pas un Marvel, hein, mais... Code Veronica, il y a qu'une version ou il y en a plusieurs? Il y a un vieux et un récent ou pas du tout, les amis? T'as cette musique. Guerrillo, tu les as tous faits, toi, les Resident Evil? C'est l'architecte, on vient de terminer un jeu. On vient de terminer un jeu, mec. Resident Evil. Quoi? Il n'y a pas de remake si c'est ta question. Bah, de remake ou de remaster, ouais, c'est ça. Il n'y a qu'une version, hein. Parce que j'ai lu la première version tout à l'heure, ou je sais pas quoi, donc... Ah, c'est bien, Kitsune. Le seul que j'ai pas fait, c'est le 5 et 6. Ok, d'accord. Ok, Guerrillo. Bah qui sait, peut-être qu'on les fera un jour. C'est interminable, mais c'est génial. Regardez, il est écrit Mewtwo, Mewtwo. Le 6, t'as rien raté, c'est vrai? En coop, il doit être sympa, non? Comme le 5, en fait, hein, ils se font beaucoup en coop. Bon, bah c'était énorme, hein. Franchement, c'était énorme. T'as pas vu le message d'avant? Oh, désolé, Guerrillo, attends. Le jeu qui va être après ce jeu. Je peux pas dire autrement. Le jeu qui va être après ce jeu? Sur le stream. Mais je t'ai dit, on va faire les DLC de Zelda et Nier Automata. Je comprends pas. C'est ça, non? J'ai répondu, non? Outbreak, j'avais aimé. C'est quoi Outbreak? Enfin, c'est... Mais je l'avais dit, Guerrillo. Je t'avais répondu, c'est pour ça que j'ai bugué. J'irai voir c'est quoi le Outbreak. Très déçu du changement, ok. Ok, ok. Ok, c'est un Marvel. Ah non. Je suis mort 26 fois. Gil Tonic. Bon, et j'ai 10 heures de jeu et tout, mais moi j'ai pris le temps. Hein. J'ai pris le temps, il y a moyen d'aller 10 fois plus vite. Hein. Moi je me balade, j'observe, j'hésite pas à faire des demi-tours, etc. Ok. Et j'ai sauvegardé 67 fois. Vous avez bien vu, hein, j'ai sauvegardé 3 fois d'affilée tout à l'heure, sans aucun sens. Temps de jeu total, 12 heures et 17 minutes. Ah ouais, mais quoi, c'est les... le temps, c'est peut-être in-game, peut-être. Sans les chargements et tout, ou quelque chose comme ça. Hmm. Bah, c'était magnifique. Bon, bah, vu qu'il n'y a plus la musique, à plus. Salut Titi, ciao, 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 ciao. Era Outbreak. Je vais aller me renseigner. Je vais aller voir c'est quoi. Bonne nuit, Kitsune. Salut à tous, hein. Tous ceux qui partent maintenant, qui ont attendu jusqu'à la fin. Bye bye. On a encore une chose à aller voir, par contre, en fait. On va aller voir les bonus, parce qu'on a peut-être débloqué des choses. Des images. Oh là là. Oh là là. Je suis direct dedans dès que j'entends ce... Il y a des bonus Kitsune, on va aller les voir. Ah voilà. Des concept art, des modèles... Oh, des modèles 3D. La boutique est maintenant disponible. Vous pouvez acheter les objets dans la boutique du jeu, accessible via le menu principal. Les points servant à débloquer les objets peuvent être obtenus en complétant les défis du jeu. Consultez-les dans la section défis. YouTube, je laisse tout pour toi, mais peut-être que je devrais pas. Hein. Boutique, c'est quoi boutique? Oh! C'est pour refaire le jeu avec des outils, quoi. Ok. Ah. Lourd. Lourd, lourd, lourd. Bon, allez, concept art. Ah, désolé, je vais un peu vite, peut-être. Hein. Désolé, vous restez, les gars.
Oh, le nombre de figurines, mais ils l'ont pas indiqué, Guerriot. Ils l'ont indiqué ou pas? Le nombre de figurines, je l'ai pas vu. Guerriot, dis-moi, réponds-moi. Oh, tu m'étonnes, Natalia. Bah écoute, moi je vais le poncer, mais dans la durée. C'est un jeu que je referai plusieurs fois, tu vois. Et Mais ça on les a pas vus, hein, les trois ici. On dirait des cuirassés, mais c'est ouais, c'est des concepts, hein, c'est ça de toute façon. Hein. Le gros poisson tout au fond, là, on l'a vu. Les images de la ville, on avait déjà vu, la chambre. Évidemment, j'ai pas tout débloqué. Hein. Oh là là. Oh, vous voyez pas derrière ma caméra, mais un de ces trucs. On n'a pas vu ça non plus. Hein. Vous voyez ou pas? Espèce de momie en bas à droite. Ah, c'est des araignées qui ont fait ça, peut-être. On voit, il y a des fils et tout. Oh, l'infirmière. Oh là là. Dans les bonus, peut-être. Ouais, on va voir. C'est bizarre qu'il m'ait rien dit. Ah, trop bien! Ça, c'était dans le 1. Normalement, tout ça, c'est des... Oh, les araignées, dans le 1, il y a des araignées, ouais. Mais ici, il y a des insectes. C'est pas les araignées, mais il y a des insectes. C'est stylé. Ça, on avait vu. Ça, on avait vu. Ah, bah, et le dernier. Megaman! Ok, ok. D'accord. Les modèles, maintenant. Oh, on a débloqué G, là. Oh là 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 là. Je trouve ça super cool que tu puisses observer les modèles, parce qu'ils sont vraiment hyper beaux. Merde, j'ai pas fait la variante. Bon, ça, c'est le costume original du jeu, hein. Attendez, je retourne en arrière, on fait la variante. Oh là là, mais ce flingue, c'était un truc de dingue. R2, RE. Quoi? Encore une variante? Oh! Oh, j'ai cru qu'elle était zombie. Mais elle est juste complètement blessée. Ah non, c'est quand elle est infectée par le virus. C'est quand elle est infectée par le virus. Désolé, hein, j'avoue, je profite parce que voilà. Hein, c'est un jeu qui... qui vaut la peine. Et là, on la voit infectée par le virus de nouveau. Oh là là. Merde, je galère un peu. Oh là là. On dirait qu'il faut pas grand chose pour que ce soit un zombie, là. Hein. Ok. Mais lui, c'est qui, lui? Pourquoi j'arrive pas à voir c'est qui, lui? Pourquoi je bug là-dessus? Qui c'est, ce mec bizarre avec des taches de sang partout? J'ai oublié. Si elle est sur Fortnite, je le prends directement. Ah, un skin de Resident Evil, ce serait dingue. Oh, le Raygun. J'ai un nouveau pseudo. Oh! Oh! Mais attends. Attends, c'était quoi avant ton pseudo? Là, il y a une majuscule, il y a un 1. C'était quoi avant, architecte? Merde. Je sais plus maintenant. Ah mais oui, on le voit là. Ah, t'es juste pas de majuscule. Ok, voilà, c'est ça. C'est bien. C'est mieux. La majuscule, c'est très, très, très important. Véritablement, vraiment important. Alors lui, il paraît que c'est un personnage connu, quand même. Peut-être qu'il apparaît dans Resident Evil 1. Je sais pas. Il a l'air de connaître Jill. Et on l'a vu, il est probablement mort, tué par sa fille. Sa fille qui est devenue un zombie. Par contre, on va se faire un plaisir, on va revoir lui, là. Dommage que j'ai pas débloqué sa troisième forme, là.
ni sa première d'ailleurs. Vous voyez, ça donne envie de débloquer. Il n'y a pas assez ça dans les jeux. Hein. Mais c'est propre. C'est bien mieux comme ça, architecte. C'est bien mieux comme ça. C'est propre. Très propre. L'armurier. Ok. Et 2? Oui, dans le 2, il apparaît, oui. Mais dans le 2, il apparaît vite fait et notre personnage ne le connaît pas, par exemple, tu vois. Ici, dans celui-là, j'ai vu que Jill le connaissait, donc j'étais là. Oh. C'est là au début qu'il s'est enfermé dans le camion. Oh, ouais. C'est... Sérieux, c'est le mec qui s'est enfermé dans le coffre-fort, là, au début du jeu. Ils nous ont mis son modèle ici. C'est dingue, quand même. Dario Rosso. Et il doit avoir un background hein, que je connais pas. Hein. Attendez, parce que lui, on va revoir... J'ai pas débloqué de variante. Ouais. Voilà, il est tellement vieux, hein, les gars. Sérieusement. Oh, sérieusement. Ah, j'aurais trop aimé voir sa dernière forme ici. Ok. Ok, ok. Eh ben écoutez les gars, il est dans défi maintenant. Ah, mais j'ai fait pas mal de défis là. Ah ouais, c'est ce qui... Ok, ok. Ah, je peux voir ce qu'il faut pour débloquer. Ah non, ils me disent pas c'est quoi. Tuer 130 ennemis avec un fusil à pompe. J'en ai tué que 49. Tuer 80 ennemis avec un lance-grenade. Vaincre 2 ennemis avec un seul tir. Chapeau d'artiste. Tirer sur le couvre-chef de 28 zombies. Il y a plein de défis. Hein. Où est Charlie? Détruire toutes les figurines, Charlie. J'en ai eu 14. J'en ai loupé 6, Guerrio. Voilà. J'en ai loupé 6. Attention, les enfants, ne répète pas ça chez vous. Je parle du jeu. Il me semble que tu as raté quelque chose avec lui. Avec le PNJ, le mec qui s'est enfermé? Je sais pas, il s'est enfermé. Donc j'ai fait, ok, salut. Je suis parti, j'ai essayé d'aller devant et je pouvais rien faire. Au pire, c'est pas grave si j'ai loupé quelques trucs. Moi, j'ai le rancé. Le rancé, c'est bien rancé ou pas? Bon, YouTube. YouTube, ça fait 15 minutes que... Même plus qu'on a fini le jeu. Campagne, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a rien. Résultats. Ah oui, je peux voir mes résultats. Ok. Ah ben, oh merde! Ah ouais, oh, en 4 heures pour avoir le rang B. Moi, j'ai le rang C. D'accord. Oh. Oh. YouTube, salut. C'était la fin. Qui a traîné un petit peu. De Resident Evil 3. Remake. J'espère que ça t'a plu, YouTube. Merci d'avoir suivi l'aventure avec nous. En décalé. N'hésite pas à laisser un commentaire si t'as tout regardé. Pour nous dire ton ressenti. On se dit à bientôt, YouTube. Un prochain Resident Evil, probablement le premier remake. Salut YouTube! Au revoir!